Salut à tout le monde, c'est Tazorik Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2 Cosmos Collapse. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je peux que bien aller me retrouvant sur ce jeu, vraiment, sur cette roadmap, c'est juste excellent. Souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on avait terminé notre premier monde, voilà, dans lequel on avait récupéré la super grande étoile. Et donc les amis, aujourd'hui on va pouvoir partir en direction de du prochain monde. On s'était gardé la surprise pour savoir l'atmosphère et la musique du prochain monde et aussi la prochaine galaxie, vu que c'est du random. Et du coup, enfin, en tout cas, quand je dis c'est du random, c'est vu que les galaxies ont été modifiées, en tout cas l'ordre des galaxies. Donc du coup, ben on ne connaît pas la suite. C'est ça qui est bien, parce que là, du coup, je saurais que par exemple là, ça serait la série sidérale, par exemple. Mais là, je sais que ça sera pas la série sidérale, sauf si il a mis la série sidérale. Mais bon. Voilà, c'est vraiment la surprise, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, ben voilà, on avait fait, du coup, souvenez-vous, aussi une petite galaxie en rapport avec, du coup, je crois que c'est Honey Hop Galaxy, je crois que c'est une connerie comme ça, dans lequel, en fait, c'est le fameux genre de royaume des abeilles, mais en version Mario Galaxy 2, et c'était très bien, parce qu'on avait vu plein de choses qu'on n'avait pas encore vues dans la version Vanilla, donc c'est ça qui est très très bien, voilà. Et du coup, ben c'est parti, on a récupéré la première grande étoile, voilà, le pouvoir de la grande étoile permettra d'aller dans un autre monde. Et du coup, bah, en avant, on va pouvoir aller du coup en direction d'un nouveau monde. Voilà, d'un monde qu'on ne connaît pas encore, évidemment. Alors, et certainement, il a gardé le même truc du monde 2. Mais, ah ouais, le thème est magnifique. Ah, c'est quand même série sidérale. Il a quand même laissé la série sidérale, ok. Ouais, un nouveau monde avec plein de pouvoirs d'étoiles. Enfin, d'étoiles de puissance. Falling Hub Galaxy, dans lequel il y a une étoile et la comète, médaille comète. Cette musique est excellente. Elle est épique. Et Reversed Swarmer Trident. Ok, en Reversed. Ok, l'endroit en fait avec les perceuses, enfin bah, on va dire les roulettes percées à l'envers. Ok, chelou. Oh, cette OST. Ah, oh, elle est pas mal. Cette remarque est excellente, hein. Concrètement, et encore, je pèse mes mots, hein. Elle est encore telle, elle est plus qu'excellente. Ok. On va quand même activer toutes les... ça vous dérange pas, toutes les... trucs. Ah, désolé, Mams. Oui, y a pas de problème. Ah, ouais. Alors, du coup. Alors, je veux quand même savoir si ça enregistre bien. Je suis désolé. Ouais, ça enregistre très très bien. Ça bug pas, y a pas de trucs bizarres. Ça bug pas, y a pas de trucs bizarres. C'est ça que j'aime bien. Quand tout marche, vous voyez. Ah, normalement là-bas, c'est vrai qu'il y a la galaxie du boss. Est-ce que par exemple, on peut quand même y aller? Je sais pas du tout. Normalement, c'est une galaxie secrète ou dans laquelle il faut une goiffe Ruluma, mais on va voir. Hein. On verra. Ok, c'est juste pour de la vie. Je me suis dit peut-être ça va faire apparaître quelque chose, mais pas du tout. Ok. Je sais pas si elle a goinfre Ruluma. Y'a pas la goinfre Ruluma, hein. Y'a pas la goinfre Ruluma. Bon ben au moins on y fixé. Ok. Y'a même pas le tuyau pour aller à l'endroit prévu, quoi. Par contre ça a fait quelque chose d'autre, hein. Ça a fait quelque chose d'autre. Ça a pas fait quelque chose d'autre. C'est peut-être moi qui rêve. Ma foi, bon, on va aller là. Bon, la médaille comète, elle n'est pas là. Ok. Wow. Oh, d'accord, tout est speed. Ah, la médaille comète. Oh my god. What?
Mais il faut faire quoi là? Attendez. Oh, je viens de comprendre, il faut s'élever. Je sais ce qu'il faut faire, regardez. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller assez haut. Oh putain, c'était chaud. Voilà, il faut faire ça. Oh là, merde. Ok. Bon, maintenant, en fait, ok, ça s'élève vers le haut. Oh, ça va très vite, hein. Ok, on va profiter que... Ah non, non, c'est vrai qu'il faut pas aller non plus trop haut parce que sinon, il y a le black hole. On a vu qu'il y a un black hole pas loin. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh merde, ça va en bas. Wow, 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 wow. Ok. Vite. Oh putain. Oh, Jesus Christ. Ok, bon, on a eu la médaille comète, on a eu tout. Bon, il n'y a pas de, d'étoile secrète en bas, ça, ici. Il n'y a rien. Ok, ça, c'est normal, il y a un boss, hein. Hop, come on. Mario. C'est bon. D'ailleurs, je me demande les niveaux d'Araplane. Il y a les niveaux d'Araplane toujours? Est-ce qu'elle a fait les niveaux d'Araplane? Oh, ça serait trop excellent. Ça serait trop excellent si elle a les niveaux d'Araplane. Dites-moi qu'il y a les niveaux d'Araplane aussi. Ça serait trop bien. Bon, concrètement, ce boss-là, il n'est pas non plus très difficile, hein. Hop, il y a une de moins. C'est vraiment le boss le plus easy du monde, hein. Voilà. Bah écoutez, on aura même le temps de faire la prochaine galaxie. Si c'est pas fou. On est à combien? On est à peine à 7 minutes. Enfin, en comptant l'intro de vidéo, peut-être 8, mais on est à 7 minutes, quoi. Tant mieux. Bon, ben bien sûr qu'on va faire du coup la prochaine galaxie. Alors du coup, ça a débloqué quoi? C'est quoi les deux prochaines? Alors c'est casse. Alors c'est différente. Oh la première. Oh là là. Des, du monde 1. Les galaxies du monde 1. Ah, vous pouvez pas savoir comme j'adore ce... Ok. Mais je sais qu'on peut... Ok, il y a en plus le Toad Postman. Enfin, le, la poste quoi. Et c'est parti. Oh, par contre, du coup, tu me veux quoi, toi? On s'en bat les couilles. Dans la lettre. Voilà, donc là, il va me mettre, va me dire, voilà. Oh, c'est beau le background derrière. The Great World Map. Voilà. On peut tra- bon, ça, on connaît, hein. Il y a aussi dans le jeu Vanilla. D'ailleurs du coup on peut voir les endroits où il y a des comètes farceuses, où on aura des comètes farceuses du coup. Là non, mais là il y en aura 4, donc on pourra, il y en aura une comète farceuse là, là, là et là. C'est bien ça. Alors du coup bah écoutez, alors là on peut voir qu'il y a, oh, il y aura certainement une comète farceuse vu que ça n'a pas été noté comme si on l'avait vraiment fait quoi. Spinwing Galaxy, c'est parti. Dans lequel il y a deux super étoiles et la médaille comète. Oh là là, je kiffe. Vous pouvez pas savoir comme je suis en surkiff là. Digladligs Wiggler. Comment ça, Wiggler? Oh! Jesus Christ, ok. D'accord. Ouh là là, la, vous avez vu toutes les modifications ici? Ok, il y a quelque chose là déjà, c'est sûr. Comment on fait pour prendre ça? Ah, on peut y aller comme ça sinon là-haut, hein, mais je me pose quand même la question. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas éliminer tous les trucs? Je n'en sais rien. Ça débloque rien. Bon, ça je sais pas comment on peut faire pour y arriver, mais tant pis. Oh my god. Oh, ok. Cette musique est folle par contre. Ok, là il y a rien.
Ouais, je voulais savoir si ça pas la médaille comète, quoi, un endroit. Donc, certainement pour nous faire apparaître le truc là-haut, l'anneau étoile. Par contre, attendez, il y a un endroit où je sais pas fouiller. Non, il n'y a pas de comète. Ouais, on sait pas, on sait jamais, il vaut mieux faire ça parce que s'il y a la médaille comète ici, on l'aura mauvaise, quoi. Allez, c'est parti. Par contre, on n'a pas des OST qui sont des bangers. Non, mais toutes les OST sont des bangers, en fait. Le gars, il a trop bien travaillé sur son mode de jeu, sur sa Romac, hein. Le gars, il a trop bien travaillé sur sa Romac, hein. J'ai juré, hein. À mon avis, on peut pas l'éclater, hein. Aïe. Ok. Ah, on a vu la médaille comète. Hey. Ah ah, je sais ce qu'il faut faire. Ah, dommage. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Bon, tant pis, on peut y aller. On peut y arriver comme ça, de toute façon. Non. Ok. Voilà, on en parle de la... Oh, merde. Merde. Ah, fuck. Ouh, ça va être compliqué, cette... cette médaille comète. En fait, il faudrait réussir à faire un triple saut. Si j'arrive à faire un triple saut, on a tout win. Hein. Mais le problème, c'est que l'endroit pour faire un triple saut, c'est pas fou. Hein. On va essayer, mais je garantis... Ah si, si, on peut y arriver. Alors, attendez. Bien prendre de l'élan. Oh, presque. Oh, oh, j'ai été presque. Ok, on peut y arriver. Ça peut fonctionner. Il faut juste sauter un peu plus droite. Enfin, un peu plus droit, quoi. Un petit peu plus droit. Ah, oh, putain, si je m'arrête en plus au moment où je saute. Ah. Oh. Ah, putain, ça va être chaud. En fait, il faut sauter vraiment beaucoup plus droit, en fait. Putain, encore beaucoup plus droit. En fait, j'ai assez de vitesse, c'est juste qu'il faut que je saute un peu plus droit. C'est tout. Là, oh là, oh là, là. Putain. Pensez qu'attendez, si je fais ça... Non, j'avais imaginé un truc dans ma tête, mais... Je pense que... Pensez que si je fais une charge... Enfin, un saut en longueur d'ici, je peux atterrir là-bas? Je pense pas, hein. Ça va être un peu juste. Putain. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud bouillant. Comment je peux faire? Putain. Oh, what the fuck. Je pouvais pas faire mieux, là. Oui, bon, ça, je m'en doute que le panneau d'A, mais il sert à rien. C'est chaud, là. Après, peut-être un simple double saut, ça peut peut-être suffire, en fait. Je sais pas, en fait, le problème, c'est que l'endroit où c'est... Ah, ok. Je pense qu'un simple double saut, ça peut suffire. Je m'emmerde pour rien depuis tout à l'heure. Juste qu'il faut que j'arrive à bien sauter, quoi. Ah, ok. Ouais, c'est chaud. Peut-être un triple saut, hein, mais... Le truc, c'est que ça, on peut pas faire un saut à longueur... Ça marche pas, le saut à longueur, sur cette surface-là. Ah, putain. Ah, et là où ils l'ont placé, c'est une horreur. Hein. Je vois pas comment je peux faire, hein. Non.
Si ça aurait percé, le triple saut ça aurait marché. Si le triple saut aurait percé. Ah. On peut essayer un truc, hein, mais... Voilà. T'en as rien à rien. Hein. On va juste choper une pièce. Peut-être avec un triple saut. Le problème, c'est que si je tape un triple saut sur le truc, ça va pas marcher. Oh, putain. Le truc, c'est si elle a le Wiggler là, c'est peut-être pas pour rien. Non. Putain. Il a pas voulu faire le backflip. Oh, mais c'est une dinguerie, cette comète sorceuse. Comment on l'a fait pour la récupérer? Comment on fait pour la récupérer? Ah, bon, attendez. Tac. Évidemment, on spawn là. C'est une dinguerie. Comment on fait pour la choper? Concrètement, à part le triple saut, je ne vois pas. Hein. On a essayé de faire les doubles sauts. Le problème, c'est que... On n'est pas assez... on va pas assez loin. Comment je peux faire? Ah ouais. On fait ça, quoi. Non. Putain. Oh putain. Oh, ça se joue à rien, je suis sûr que ça se joue à rien, quoi. On va essayer un truc. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais... On va essayer un truc. Tac. On va essayer d'aller tout là-haut et se jeter de tout là-haut. Donc là, ça va nous cancel le truc. Voilà. Pas bouger, voilà. Ah non, c'est impossible. C'est clairement impossible. Hop. Putain, à chaque fois je me fais baiser là, c'est chiant. Non, vous avez vu, il manque pas beaucoup en hauteur. Hein. Le problème c'est que j'ai le forêt. Si j'arrive à aller ici sans le forêt, on a win, hein, mais... Non, ça veut pas. Attendez. Comment je peux faire? Non, on a... Là, vous avez vu, en fait, le problème, c'est qu'on va pas... On va pas assez loin, quoi. Je vois pas ce qu'il faut faire pour la choper. Ah là 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 là. C'est... Je sais pas comment on peut faire. Non. Le triple saut avec cette distance là, c'est impossible. Le triple saut avec cette distance-là, c'est impossible. Et même si j'arrive à le faire, faut avoir de la vitesse, donc... Non, mais vraiment, je saisis pas.
Je ne saisis pas. Peut-être comme ça, peut-être. Oh là là. En fait, tout est question de vitesse aussi. Hein. Putain. Oh là là. C'est une horreur. C'est une horreur. Est-ce qu'on peut aller sur le truc ici sans prendre le truc déjà? C'est impossible. Ok, en fait, on peut faire un triple saut. Il faut juste avoir la frame parfaite. Oh, ok, il y a peut-être possibilité. Il y a peut-être possibilité. Il faut juste, putain, de gagner de vraiment pas mal d'auteurs et bien viser. Oh là 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 là. Oh là là. Ça va être chaud, hein. Non. Beaucoup trop rapidement. Non, 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 non. Faut pas que se fasse baiser. Putain. Attention. Oh. Oh, presque. Oh, ça se joue à rien. Ok, c'est possible, je pense. Ah, putain. En fait, je crois qu'il y a une vitesse à adapter. Faut pas non plus le faire trop vite, ni trop lentement. Parce que si on le fait trop vite, on se mange le mur. Si on le fait trop lentement, on va pas assez haut. Bon, en fait, je crois qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est impossible. Comme ça. Oh, putain. Putain, s'il y avait Luigi, vous voyez, on aurait peut-être réussi. Aïe, 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 aïe. Oh putain, mais ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien, quoi. Putain, mais... Non, ça se joue vraiment à rien. J'ai failli me faire toucher, hein. Putain. C'est hardcore, putain. Putain, ça serait bien qu'on y arrive. Enfin, allez. Ok, c'est comme ça. On va pas se foirer là. On va bien se rapprocher. Non. Non, je me suis fail. J'arrive pas avec les perceptions 3D. Ah, je me suis fail. Perception 3D de merde. Je pense que j'aurais réussi si je m'étais pas fail. Ah, mais les perceptions 3D, je sais pas où il est exactement le machin. Ah là 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 là. Au cas où le triple saut, c'est le saut qui va le plus haut, hein. Si jamais, c'est pour ça que je fais que le triple saut. En fait, elle est où? Elle est là. Ça suffit, hein. Non, ça suffit pas. Il faut impérativement que je fasse un saut tournoyant en l'air. À un moment donné. Ah, putain, ça c'est fatigant. Oh là là, j'ai été trop vite. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Parce que même si je tente le triple saut, ça me servira à rien. Parce que à l'endroit où c'est le triple saut, peu importe la façon dont je le réalise, ça servira à rien. Donc de toute manière, putain, c'est la première médaille comète qu'on galère comme ça. Hein. Ah, celle-là, elle est chaude. Hein. Elle est horrible. Bon bah on fera que cette galaxie après dans cet épisode. Enfin, on fera quand même l'autre étoile, hein, en espérant qu'elle soit pas chiante. Ou pas, je pense même pas.
Parce que là, le leur tourne de fou et... ça va être un peu compliqué si je fais ça. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Il vise même pas droit, quoi. Ok. Non, trop rapide. Oh putain. Presque. Le truc c'est que je sais même pas où aller. En... Vraiment exactement dans les airs, c'est ça qui est dingue. Oh là là, mais bordel. Ça se joue à 1000 mètres à chaque fois. Hein. Genre ça se joue à au moins 2 frames en hauteur quoi. Putain, je le fais trop vite. Non, 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 non. Oh là là, super. Vas-y, touche-moi. Bon, on va vite aller choper des pièces si c'est pas. Ça vous dérange pas. Voilà, on va se choper l'autre pièce. Je comprends pas pourquoi ça m'a décalé pour prendre le truc, c'est incompréhensible des fois. Parce qu'on est... Hop. Non. Putain. Ah là 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 là. Ah là 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 là, c'est incroyable hein. Putain. C'est une blague. Putain. Ça se joue à 1 mm quoi. Pareil, 1 mm. J'aurais pas le choix après, c'est de tournoyer dans les airs hein, pour essayer d'attraper cette pute de truc là. C'est de tournoyer dans les airs. Hein. C'est vraiment un truc pas le choix. Hein. Oh putain. Voilà, on commence à faire baiser le truc. Putain, en plus, il le met pile à l'endroit où c'est chiant. Oh putain. Où vraiment, t'es forcément obligé de le prendre à un moment donné. Hein. En fait, faut pas que je saute proche du truc. Faut que je saute le plus proche au début du machin. Ouais, évidemment. Aïe, 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 aïe. Au moins milieu, quoi. Putain. Pareil, 1 mm. Alors là, le placement est pas bon. Pareil. Oh, ça a marché quand même. Alors cette fois-ci, on va pas se fail. Ok. 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 C'est juste que mes perceptions 3D m'ont encore joué des tours. Sur la façon dont je dois utiliser le joystick. Oh putain, oh de sec. C'est strictement une horreur. Hein. Ah là 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 là. Dommage. Merci. Alléluia. Bon maintenant il faut pas mourir hein. Faut pas mourir jusqu'au prochain checkpoint hein. Allez, on part d'ici. Ah bah putain, on aura mis une demi-heure, hein, je crois. Ouais, ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Ah bah putain.
Tout ça pour une médaille comète à la con. Bon, on fera l'autre étoile dans l'épisode prochain, par contre. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Bon, tant qu'on a fini une galaxie, c'est déjà bien, quoi. Voilà, là, ça nous a sauvé la médaille comète. Oh, putain. Je savais pas qu'il fallait... Ok, je pensais que ça allait quand même monter. Ok. Merde. Il a pas voulu appuyer sur le bouton, c'est chelou. Ok, donc là, il faudra monter de plateforme en plateforme. Hein. Ok. C'est un rythme à avoir. Ok. C'est des malades. C'est trop mac. What the fuck. Elle est quand même compliquée, c'est bien, ça nous met à l'épreuve. Ça nous met à l'épreuve. Oh, ok. Oh, oh, non, non. Non, non, non. Oh, oh my god. Ok. En fait, là, voilà, les problèmes de perception 3D me jouent encore des tours. Hein. Oh là, ça, ils vont vite, là. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Pas bouger. Oh, putain. Pas bouger, pas bouger. On frôle le machin, hein. Voilà. Oh, oh, pas bouger. Voilà. Vite. Ok, ok, ne panique pas, Zurich. Voilà. Ok. 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 Pack. Ok. Merci. Attention. Voilà. Et là, ils sont vénères. Oh my god. Oh my god. Faut aller là-bas au bout. Ok. Le mieux, c'est de prendre le rond-point central. Ouais, pour moi, c'est un rond-point. Hein. Je suis désolé. Vite. On repart, on repart. C'est où? Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est où? On va où? Pourquoi ça a disparu? Faut descendre tout en bas? Vite. Geronimo, oui. On pouvait descendre tout en bas. C'est parfait. C'est ici qu'il faut aller. Ok, là, normalement, il y a la Luma qui va venir. Elle est là. Viens ici. Please. Parfait. Oh, putain. Attention. On n'a plus de vie, donc, voilà. Merci la pièce. Peut-être qu'il faudrait éliminer tous les combats. Pas du tout. Ah! The drill! Ok. Ouais, bon. Je sais pas si c'est intéressant de le faire, mais bon. Peut-être qu'on récupère quand même tout. Je sais pas si c'est utile, mais... Si on nous demande 30 ou 40 pièces, on sera content de l'avoir. Allez, go! On part d'ici. En direction du boss. Oui, le Capitaine Toad. Le Capitaine Toad. My fucking god, what the fuck. Bon, du coup, on a le checkpoint, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui a été modifié pour ce boss? Qu'est-ce qui va être compliqué? Parce que, bon, le Gargantulus qui avait des choses piquantes. Là, je vois pas de différence. C'est normal. Peut-être rien. Et peut-être un petit peu plus rapide. Ok. Entre, c'est... D'ailleurs, on en parle que c'est la musique de Super Mario 64. Quand il y a un boss, ça m'extermine. D'accord, je viens de comprendre la difficulté. Oh, putain. En fait, la difficulté, c'est qu'il se déplace beaucoup plus que normalement. Ok, la difficulté, c'est parce qu'il se déplace beaucoup plus que de façon normale. Ok. Bon, ça va. Ok. Merci Mams. Hop. Ok. Oh my god. Oh my god. Vite. Oui, c'est bon, on l'a fait. Allez, on va pas s'arrêter là. Ouh. Ah ben, ça aurait été un épisode surtout pour une médaille comète à la con. C'est la médaille comète, hein, qui nous a mis dans la merde, hein. On aurait pu faire les deux épisodes sinon aujourd'hui, hein. Ah, mais j'aime pas laisser des galaxies sans avec un trou. Bah, vous savez quoi, on va faire l'autre étoile, voilà. Ouais, bon, je me décide au dernier moment. Je sais pas quand est-ce que je change d'avis. Allez, on va faire la dernière étoile, enfin, la dernière étoile de cette galaxie pour le moment. Ouh.
Oh, désolé, je m'étire un peu, j'ai mal de partout. Hein. Ça m'a fatigué. 25 minutes, hein. Rien que pour une médaille comète à la con, je vais péter les plombs. Je vais éclater ma tête, hein, je vous le dis. Ah bah là, du coup, on va voir. En fait, il n'y a pas de grand frulement, j'ai l'impression. What? The Rainbow Road? Ok, The Rainbow Road avec la boule à la place de Raplane. D'accord. What the fuck? Oh my god, stop. Allez, go, on y va. On va faire la dernière et puis après on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça au moins on aura fini une galaxie, quoi. Ouais, parce que j'aime pas laisser la galaxie avec des trous finalement. Quand c'est la dernière galaxie dans l'épisode, dans le let's play précédent, oui, mais pas là, quoi. Donc on va la faire. L'épisode sera un peu plus long, mais c'est comme ça. Silver Stars Up and Down. Ok, donc ça, tout à mon avis, tout va se passer là-dedans. Et certainement, ça va être chiant parce que ça sera certainement dans les murs. Aux endroits où on ne voit rien. Oh, putain. Oh. Ok. Oh, le fils de putain. Ah, mais il y a une... Ok, vous avez vu? Ok, en fait, les étoiles d'argent peuvent être de partout, vraiment. Ok, on en a une. Je sais pas s'il y en a deux par galaxie ou pas, je n'en sais rien. Il n'y a pas de drill. Ouais, non, ça c'est juste pour ça. Ouais, désolé, je regarde un petit peu de partout parce que... Bon, je pense qu'on pourra en revenir en cas de besoin. Ouais, allez. On va dire qu'il n'y en a qu'une là. Allez, go. Voilà, là y a rien. Non, là y a rien. Alors ça serait même pas con qu'il y en aurait une à rapport avec là-dedans. Donc vu qu'on est là, on va profiter. Non, y a rien. Ah, y en a une là. Oh putain. Oh les bâtards, oh je sais ce qu'il faut faire. Oh what the fuck. Excuse me. Mais il sait pas faire le semi ou quoi. Voilà. Bon par contre du coup faut faire... Ça veut dire fait des triples sauts. Voilà. On l'a fait. Ok, 2. Il nous en manque plus que 3. Ouais, on fouille quand même là, on sait jamais. Y'a rien. Avant d'aller à un endroit prévu, on va aller là. Non, y en a pas, on peut voir. Ok. Donc on va aller là. Oh, Jesus Christ, excuse me. C'est bon. Oh my god. Oh, d'accord, faut pas te faire toucher une seule fois. Ah, les bâtards. Ben oui, ça ne m'apparaît pas. D'accord, faut pas te faire toucher une seule fois. Ok, d'accord. Ok, bon. Ok. Bon, on sait où sont les choses. Hein. Ok, faut pas te faire toucher une seule fois en fait en bas. Une fois que t'as le truc, c'est finito, quoi. Donc on sait où ils sont les deux autres. Donc on sait où il y en a une dernière, l'autre, du coup. Là, c'est des bâtards. Tac. Oh, donc on sait qu'il y en a une là. Tac. Là. Oh my god. Ready? Oh my god. Aïe 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 aïe. On va y arriver. 1, 2, 3. Merci. Allez, on y va. Bon, par contre, faut pas te faire toucher du coup, on le sait. Hein.
Ok. Ouais. Quand il est en bas à gauche, voilà. 3, c'est bon. Alléluia, on peut partir d'ici. Ok. Two more left, hein. Two more left. Y'a pas derrière, hein. Ouais, parce qu'il serait bâtard de nous en mettre une derrière, hein. Ok, il nous en manque plus que deux, hein. On va aller de loin en large. Ok, on en a vu une. On en a vu une. Là. C'est pile ici. C'est une blague. Merci. Ok, one more left. Ok, il y en a une là. Et alléluia. Bon, elle était beaucoup plus facile, hein. Elle était beaucoup plus tranquille, celle-là. Ouh. D'ailleurs, je me rends compte que, en fait, la galaxie là-bas, ça ressemble à une ampoule. Ouais, après 15 ans que je joue à ce jeu. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. On en découvre, c'est bien, on en découvre tous les jours. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Wouhou! Bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode du coup numéro 6 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy de Cosmos Collapse. Et on se retrouvera pour l'épisode 7 du coup dans l'épisode prochain, dans lequel on s'attaquera à Fluffy Buff, je crois que c'est Galaxy. Fluff Buff ou Fluffy Buff, non je crois que c'est Fluff Buff Galaxy. Donc voilà, on fera ça du coup dans l'épisode prochain. Du coup, ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu malgré la difficulté d'une comète, d'une médaille comète à la con. Mais voilà, bon, au moins on l'aura fait. Et du coup, ben, on se dit à l'épisode numéro 7. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace!